Bonjour à tous. Alors, je vous souhaite tout d'abord une très bonne année. Je vous souhaite tout plein de bonheur dans votre vie. Voilà. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel album réalisé en partenariat avec la boutique Scrap for Love, dont vous trouverez le lien juste ici. Donc, je vous présente l'album et en fin de vidéo, je vous montrerai le matériel que j'ai utilisé pour le faire. Vous trouverez cet album également sur ma boutique, dont voici le lien. Voilà, ben écoutez, j'espère que cet album vous plaira. Allez, bon visionnage. Voilà, alors pour le matériel que j'ai utilisé, c'est cette collection de papier de chez Stamperia. Donc c'est Christmas, j'arrive plus à lire, c'est écrit tout petit. Greening. Oh, je suis incapable de vous dire. J'ai plus l'autre. Je me rappelle plus. Je vous mettrai dans le descriptif sous la vidéo le nom de la collection de papier. Donc j'avais un bloc en 30 par 30 avec ces papiers imprimés. Et j'en avais un autre aussi en 30 par 30 avec des dessins. Donc notamment ceux-là avec ceux où il y avait les dessins. Donc j'ai pas utilisé la totalité des blocs. Il me reste quelques feuilles. Il me reste des feuilles. Alors j'ai utilisé quasi la totalité des papiers imprimés, mais pas ceux-là. Alors après il me reste des petites cartes hein, dont je ne me suis pas encore servie, donc il me reste encore voilà ce qu'il me reste. Donc je vais utiliser cette collection de papier. En complément, j'ai utilisé donc des feuilles, hop, vous voyez, papier craft et papier
Bordeaux. Donc c'est le Cassis de chez Florence et c'est le Craft Light, pareil, de chez Florence. Donc j'ai utilisé ces deux teintes-là. Je trouvais que les deux allaient bien. Et ça permettait de... Comme je dis, moi, ça permettait de lier un peu le papier. C'est un papier qui est quand même très chargé. Et d'avoir ces petites notes un peu plus neutres, voilà. Enfin, moi, en tout cas, j'ai besoin dans mes albums de les aérer, je dirais, de cette façon en mettant des papiers un peu neutres. Et pour le côté un peu festif Noël, j'ai ajouté cette petite note donc de papier brillant bleu. Alors ça, c'est une feuille qui vient de chez Action. J'en ai utilisé une feuille à 4 à peu près. Voilà, donc j'ai essayé de mettre des petites touches. Alors si après vous ne souhaitez pas mettre du papier uni, j'ai envie de dire dans l'album, les deux blocs de papier vous permettent de faire la totalité de l'album sans avoir besoin de mettre du papier craft ou du papier bordeaux. Hein. Après moi c'est vraiment un choix de construction d'album qui fait que j'ai besoin de... Enfin moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin de papier uni dans mes créations, c'est voilà, je fonctionne comme ça. Donc les flippettes, alors celle-ci, comme je disais, d'habitude j'achète mes flippettes chez Action, chez AliExpress, pardon. Celles-ci, elles ne viennent pas de chez AliExpress, tout simplement parce qu'en fait je ne les retrouve pas. Donc je suis incapable de vous dire où je les ai achetées à mon grand désespoir, parce que j'aurais bien voulu en avoir, j'en ai presque plus. Je n'en retrouve plus, donc je ne sais pas où elles viennent. Voilà, et le ruban, bah, c'est un ruban qui devait emballer un cadeau que j'ai dû recevoir d'ailleurs. Moi, je garde tous les rubans, hein. Donc voilà, qui allait exactement très bien avec cette collection de papier. Donc voilà, il y aura un tuto pour cet album. Donc le tuto sortira à compter du lendemain de la sortie de cette vidéo de présentation. Donc quand vous voyez cette vidéo de présentation, le lendemain, les tutos seront de sortie. Bah écoutez, j'espère que cet album vous a plu et je vous dis à très vite. Bye bye !